Salut tout le monde. Alors là, on est venu dormir dans le bateau à mon grand-père. Voilà, on est avec la famille. Voilà notre lit. C'est là où on va dormir. Comment là? C'est trop. Vas-y. Là. Alors là, on va mettre les leurres à l'eau. Ce genre de leurre, ça s'appelle un halco. Avec ce qu'on appelle une bavette, il peut plonger jusqu'à 8 mètres. Donc il va nager comme ça tout le temps. Et on va essayer celui-là avec un autre. Le petit temps à nous là. Voilà. Yes, today. Alors, c'est un nœud. C'est un hameçon autoférant. Donc il va se ferrer tout seul. Il fait bien là, ici là. Avec un nœud très simple que j'ai mis sur un petit bas de ligne avec une bouée. La ligne est à peu près. Là, elle va à peu près 2 mètres. Tu vas jeter ça et tu vas espérer attraper quoi? J'espère attraper un maïmaï. Ah bon, ben. Tu mets quoi là? Une sardine? Ouais, grosse sardine. Allez, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Attends, je vais te dire quand tu jettes de l'autre côté. T'as fait le petit montage tout là. C'était une fusée magique avec la sécurité. Ah, et la flèche elle est barrée? Ah
Allez, bon, on est là. Vas-y, est-ce que tu fais mal? Regarde, je vais t'apprendre. Mais regarde, tiens. En fait, ça accroche à son boyau qui est fait. Tu tires dans le sens du boyau. Tu prends. Tu mets là en bas. Si tu tires comme ça, tu peux pas. Bah là, on est au DCP. On a fait un petit temps, un petit maï-maï. On va pas tarder à rentrer. Voilà. Elle s'est fait croquer par un truc, ma Castex. Je sais pas du tout ce que c'est quoi, mais en tout cas, elle a une forme assez bizarre. On dirait un petit bateau avec la petite crête. Et ça reprend là. Elle s'est fait croquer. Bon, là maintenant, on va vider les boissons. La petite femelle Maï-Maï. Ton jeune aussi. Voilà, la petite pêche du jour. Et regarde, le petit poisson. C'est Maï-Maï. Voilà. Maintenant, on va sortir le temps.